Salut à toutes et à tous, c'est SilenceDark59 et nous voici aujourd'hui pour la suite de mon Let's Play sur Sensei Brief Soldier sur la PS3 et on est à l'épisode 18. Allez, on est parti, hop. Shiryu Yoga, moi je vais prendre Shiryu, tiens. De toute façon, on verra bien. Donc, toujours un jeu développé par Dims et édité par. Édité par Bandai Namco Game, putain. Alors. Plaçant tous leurs espoirs en Seiya et ses compagnons, les Shredder se retirent à jamais, ne laissant que leurs armures derrière eux. Dans un ultime effort commun pour fusionner leurs pouvoirs en une attaque toute puissante, ils ont ouvert une brèche dans le mur des lamentations et permet le passage vers Elysion. Mais de l'autre côté s'ouvre l'hyperdimension où le temps et l'espace n'ont pas de prise. Seuls les dieux sont capables de la traverser. Ah ouais, c'est une sorte de hyperdimension. Si elle regarde cette lumière, est-ce vers la lumière que nous trouverons Elysion? C'est là que nous trouverons également Saori, partie sur les traces d'Hadès. Elle attend l'armure d'Athéna. Il va falloir se jeter à l'eau. Je passe devant. Ah! Vous ne passerez pas. Comment pourrais-je laisser des misérables comme vous aller à Elysion? Minos, l'explosion n'a même pas eu raison de toi. Le tout puissant maître des trois juges des enfers. Shiryuga, oubliez Minos, sautez! Non, si nous sautons, nous aussi, nous serons les cibles faciles. Quelqu'un doit rester en arrière pour retarder Minos et laisser les autres prendre de l'avance. Me retarder, ne rêve pas. Ce sera l'affaire de quelques secondes. Ouais, t'as raison, je vais te niquer, gros PD. Avec ta gueule de con. Griffon Minos, ok. Mouais. Je suis prêt à mourir. Oh, tu crois pouvoir me défier vers Miso? Ah putain, il commence fort. Je crois que ça rase. Là je prends pas de vide du tout, c'est super chouette. Puis il m'arrave la gueule. C'est surtout ces attaques qui font mal à lui. Belles attaques, petit enfoiré. Tiens, on chasse gratos. Putain, c'est là que j'aurais dû faire ma grosse attaque. Oh bah, j'ai quand même réussi à lui mettre. On va voir, c'est quoi son attaque là, tiens. Prends ça! Rosanne, vol du dragon, encore un nouveau pouvoir. Ça, des fois, Shiryu a vraiment des belles attaques par moment. Tiens, on va faire le vol du dragon, tiens. Tiens, mange le mur. Putain, mais lui. Oh, c'est cette attaque-là qui me faisait chier, le mec en ligne. Ok, patard. Je vois pourquoi il prenait ce perso-là, sérieux, il est vraiment bien cheaté. Lui. Hop là, je peux rien faire quand il fait ça, sérieux. Là, on est. Comme tout à l'heure, contre 16. Enfin, je peux pas enchaîner là, par contre, je suis bloqué quand il fait son pouvoir. Par contre, il y a un peu stupide de go. この
Bam. Voilà, belle victoire de Shiryu, magnifique victoire. Nune, bah mes points sont mis mon bouclier, ouais super. Grand B, putain toi. T'as vu, sérieux, j'avais pas à faire un rang O, quand tu es sérieux. Même un rang S. Il est bien costaud ce chevalier là par contre. Pourtant j'ai bien joué. Maintenant. Ah Minos. Tu es encore vivant. Nous sommes encore liés par un fil de la manipulation cosmique. Je vous ai dit que vous n'irez jamais jusqu'à l'Élysion. Préparez-vous à mourir. On va sauter, Shiryu. Accroche-toi. Quoi? Impossible. Comment on supplie peut-il se briser alors que leurs armures sont intactes? Bon, on voit rien, c'est super. J'ai rien vu. Oh, Yuga a des ailes. Minos a disparu sans laisser de traces. Comme aspiré par cette autre dimension. Cet endroit est terrible. C'est grâce au sang d'Azenao sur nos armures. Sans ça, nous n'aurions jamais pu entrer ici. Viens, Yuga. Il faut attraper Seiyaishin. Oui, allons-y. Élysion, nous voilà. Élysion, nous voilà. Il y a encore des persos en plus, c'est super cool. Donc là, il faut aller là-haut maintenant. Je sais pas pourquoi ils font. Ouais, j'ai rien compris de toute façon. C'est bon, j'ai déjà niqué les. Ah, j'ai tous les armures des chevaliers de bronze, donc ça fait voilà. La tragédie de Pandore. Donc là, ça va être du bubble, je vous le dis direct. Bon, ça va être toutes les supplies. Alors, les 4 chevaliers de bronze, Seiya, Shen, Shiryu et Yuga traversent l'hyperdimension des résidents en direction des Élysion. Puis après, un homme apparaît au pied du mur des lamentations. Un guerrier qui a chuté par la main d'Hadès en personne et aurait dû être achevé par Pandore, qui est Phoenix. Attends, Eki. Tu ne peux pas les suivre, c'est difficile. Ton armure n'a pas été protégée par le sang d'Athéna. Peut-être, mais je dois y aller. Iku, écoute-moi. Je peux te faire entrer dans l'édition, mais je veux que tu obtiennes ma vengeance. Ah bon? Ta vengeance. J'ai vu la vérité dans mes yeux. Il y a 13 ans, ma famille a été entièrement. Hades nous les a tous massacrés. Elle va raconter ça live, elle. Je suis né au château d'Hadès, celui de notre monde. Il s'appelait le château Einstein. C'est un endroit magnifique, entouré de lacs et de forêts. Un jour, j'ai ouvert une petite boîte trouvée dans une dépendance éloignée du château. À ce moment, j'ignorais qu'elle avait en fait été scellée par Athéna. J'ai libéré deux divinités, deux des plus proches conseillers d'Hadès, les dieux de la mort, Thanatos, et les dieux du sommeil, Hypnos. Ils m'ont ordonné de protéger l'esprit du seigneur noir Hadès, qui devait bientôt renaître en échange de la vie éternelle. Tout s'est passé comme il avait prédit. Ma mère a donné naissance à mon frère Hadès. Mais à partir de ce jour, tous les êtres vivants du château ont commencé à mourir un par un, sauf moi. Je comprends. C'est donc pour ça que tu t'es pris à Shen, pour trouver un cœur pour Hades. Oui, Thanatos et Hypnos me l'ont ordonné. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi changes-tu de camp maintenant? Les chevaliers m'ont ouvert les yeux. Vous avez cette lueur dans le regard. Jusqu'à ce jour, tout n'était que gris, sombre, mort. Le ciel, l'herbe et même le sang.
mais après avoir rencontré dans les enfers, je suis souvenu que le ciel était bleu, l'herbe verte et le sang rouge. Je pensais que sous le règne d'Hadès et des spectres, le monde deviendrait une utopie où chacun pourrait vivre pour l'éternité sans craindre la mort. Je me trompais. Oh, comme je me trompais. Je pense que sa seule ambition est d'annihiler toute vie sur Terre, comme il l'a fait avec ma famille dans notre château. Je veux que tu prennes ceci, Iki. Un collier, pourquoi me fais-tu ce cadeau? Il te permettra d'aller et venir où bon te semble dans les enfers, et même dans l'hyperdimension. Ah, Pandore. Thanatos et Hypnos, ces deux terrifiants, ils peuvent me tuer malgré la distance. Ah, ce vent. Elle crève. Oh putain, dis. Reste avec moi, Pandore. Nous avons vaincu les 108 spectres. Tu es libre. Ils ne peuvent plus te retenir prisonnière. Ils ne peuvent plus. Mais c'est triste. Pauvre madame. Oh, elle meurt là. Pandore. J'emporte ta douleur au plus profond de mon cœur. Je te fais la promesse de vaincre Hadès et de mettre un terme à ces plans diaboliques. Repose en paix, Pandore. Tout sera bientôt terminé. Putain, dis. C'est quand même un peu méchant tout ça, hein, n'est-ce pas? Ah oh, putain, je me t'appelais Dieu maintenant. Je sais pas combien il va me rester d'épisodes à faire. On va en faire celui-là déjà. Hypnos et Thanatos. Par-delà des millions d'années-lumière, à travers les ténèbres sans fin, Seiya et ses compagnons atteignent enfin leur destination. C'est l'Élysion, le paradis où seuls les élus des dieux peuvent trouver le repos après la mort, une utopie. Voici donc l'Élysion, regarde ça. Cet endroit est incroyable. Bon, comment allons-nous retrouver Athéna? Bon, c'est vrai qu'il y a une tête de méchant. Les nymphes sont troublées par cette tenue tachée de sang. Voici l'Élysion, dont le sol ne peut être foulé par les âmes vertueuses. Vous avez effrayé ma petite ménagerie. Écoutez, les nymphes ont arrêté de chanter. Qui es-tu? Je suis Thanatos. Tu ressembles beaucoup à un spectre, avec tes cheveux d'argent et ses yeux. Je ne suis pas un vulgaire spectre, je suis le bras droit du Seigneur Noir, son plus fidèle conseiller depuis le temps de la mythologie. Un conseiller? Alors tu devrais avoir... Tu devrais pouvoir répondre à mes questions. À cette question, où est Athéna? Est-elle venue ici à la recherche d'Hadès? Elle est morte. En fait, mon frère Hypnos, le dieu du sommeil, doit être en train de présenter sa dépouille au Seigneur Noir en ce moment même. Non, tu sens. Tu mens. Où est Hadès? Imbécile, un dieu n'a pas de compte à rendre à un simple mortel. Au simple mortel plutôt, mais c'est pareil. Un simple au simple, c'est pareil. Hein. On va pas m'attendre de regard un pâté, hein? Dire un papillon noir. Dieu de la mort. Même pas peur. Même pas peur! Je vais voir comment il est design. Ouais, putain. Oh ouais, putain, ça y est sacrément. Je prends quand même pas mal de vie, même si je suis en armure de bronze. Quoi, je suis en armure de bronze de 3ème génération, quoi. Je dirais que je parle comme si j'étais avec un nouvel iPhone. L'iPhone. Tout l'armure niveau 5. L'iPhone 5, armure 5. Oh putain, c'est déjà une big bang ça. On va parler des très puissants. Tiens, mon choix c'est Kratos. Bon, t'as pas très puissant toi. J'ai plus galéré avec Clot là, avec ses griffes que lui. Sérieux. Mmh.
Voilà, on voit que je maîtrise quand même mieux le jeu, hein, parce que je sais faire des combos un peu plus intéressants. Pour l'instant que lui il m'a pas montré grand chose, hein. Sérieusement. Ouais, ça c'est Kratos pour finir, une petite comète. Pour dire que tu t'envoles un petit peu dans les cieux. Eh ben gros, au revoir. C'est con que quand il retombe, ça fait pas des éclats dans les terrains et tout. Bon, on va pas se plaindre. On va dire que le jeu est déjà pas mal. 3S. Bah, comment tu veux que je bug des attaques? Il m'attaque même pas. Boum. C'était ton attaque ultime? Pas vrai. Mais. J'ai fait appel à toute ma puissance. Tu croyais qu'une attaque aussi risible pouvait faire chuter le grand Thanatos? Je t'ai pourtant dit que j'étais le dieu de la mort, fidèle serviteur du dieu de l'au-delà depuis la nuit des temps. J'ai mis l'argent à toute la nuit des temps, je crois que j'ai rajouté. C'était l'inverse. Enfin bref. Est-ce que tu commences à comprendre ce qui... Ah putain, ce qui... Prépare les dieux des mortels maintenant. Bon, je vais te faire vivre. Ah putain, je galère. Je vais te faire vivre des sommets de douleur et d'agonie avant de te tuer. On me dit, je vais te faire souffrir, quoi. Voilà, c'est plus radical. Regarde, c'est le monde d'où tu viens. Contemple ta sœur perdue depuis si longtemps. Ma sœur, Seika, mais pourquoi a-t-elle l'air de s'ouvrir à ce point? Regarde Pégase, et tu le découvrirais peut-être. Regarde ta sœur agoniser lentement en gémissant jusqu'à la mort. Arrête! Tiens, tiens, en voilà un autre. Qui es-tu? Je suis Ikki, chevalier du Phoenix. Je viens chercher vengeance pour une amie qui vient de mourir dans les enfers. Vengeance, dis-tu? Ah, il va venger Pandore. Ouais. Bon, déjà, il y a rien à branler avec Seiyar, là, avec Lily. Brûle dans les flammes de l'enfer. Tu viens pour te venger. Tiens donc. Tu parles longtemps pour dire trois mots. L'attaque Phoenix violent. Bah alors ma couille, t'es nul hein, sérieux. Putain, j'ai galéré plus avec les bonhommes d'Hadès qu'avec ce bâtard. Tiens, va voler. Oh, son truc va bientôt casser. Voilà. Un petit brise-garde, ça fait toujours du bien. Tu vas manger l'illusion du phénix et gratos. Maintenant je te crame le cul. Voilà, du mal. Et imperfaite quand même. Super. Ah ça c'est bien vu l'attaque une petite attaque rafale, bien vu. Par contre il est tellement grand que je vois même pas mes persos.
T'es trop grand de ce côté-là. Va par là. Ouais. Tiens, ça s'appelle une attaque rafale. Et ça, c'est pour finir, c'est gratos. Par l'illusion du phénix! Ah, pathétique. Putain, on voit rien, il est trop grand ce PD là. Tiens, casse-toi. Quelle victoire magnifique. Bon, il va pas mourir non plus de toute façon. Vraiment, est magnifique. Ah, je suis à faire ça, tiens. Soit elle est facile à placer, il devrait lui faire comme ça toutes les attaques, comme des attaques Big Bang. Faire courir le bonhomme sur le gars, au pire, ça t'est mieux. Ah, tu vas voir ce qui en coûte de défier les dieux. Boum, voilà bien. Iki, K.O. Tu devrais te tailler en pièces et disperser tes restes au quatre coins du cosmos. Mais une telle sauvagerie n'a pas sa place dans le royaume d'Hadès, le miséricordieux. Miséricordieux. Putain, il y a des grands mots et tout là, c'est magique. Néanmoins, je suis sûr que tu sauras me pardonner si je te tranche la tête et que je l'envoie se perdre dans les profondeurs incandescentes de l'enfer. Meurs. Arrête, sur le champ. Ah, je craignais que d'autres vermisseaux soient pas venus arriver jusqu'ici. Un autre chevalier, c'est ça? Dis-moi, mortel, à quoi vont bien pouvoir te servir tes petites chaînes ici? Ah, mais les chaînes, elles sont en pièces! Oh, moi c'est radical. Dis-moi, combien êtes-vous encore? Combien d'entre vais-je devoir tuer? Prends ça, envoie les dragons! Encore un chevalier qui en a assez de vivre. Boum! Bah putain, s'il déglingue tous comme ça, ça va aller vite, hein. Je le dis. C'était le dernier, j'espère. Qu'est-ce que c'est que ça? Poussière de diamant. Ça aurait été bien que ce soit une scène cinématique, mais c'est pas grave. Boum. Tiens, lui, il l'a touché, par contre. Imbécile. Seul les heures absolues des millions et des millions de fois plus puissants que la tienne pourrait espérer me glacer le sang. Ouais, ça aurait été bien une scène cinématique là, sérieux. En plus, c'est une passage que j'ai jamais vu. Ouais, ils sont tous comme des grands nazes. Super. Voici donc la bande de chevaliers qui tente d'enverrer Elysium. Eh bien, puisque vous êtes tous réunis, il est temps de faire vos adieux, car je vais vous envoyer dans les profondeurs du néant. D'où provient ce son? Ça semble provenir de ces imbéciles. Enfin, au fond des infers. Serait-ce l'écho des armures des chevaliers d'or? Pourquoi il y a pas des chevaliers d'or en fait? J'ai pas compris là. Vu que c'est un demi-dieu. Ah, après je vais avoir une armure d'or. Bah, ça on verra dans le prochain épisode. Donc j'espère que cet 18ème épisode de Sensia Blue Soldier sur la PS3 vous aura plu. Merci à toutes et à tous de me suivre sur ma chaîne. Salut et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!